Monsieur Banabé? Oui. Pour mon augmentation? Je vous ai déjà dit que je n'arrivais pas à vous la débloquer, ça fait combien de fois que je vous le répète? Mais c'est que j'ai besoin de cette... Vous comptez me la redemander tous les jours comme ça? Non mais c'est limite si vous m'appelez pas chez moi pour me la redemander encore une fois. Mais je compte bien vous la demander jusqu'à ce que je l'obtienne. Eh bien, vous n'avez qu'à venir me la demander devant le PDG à la réunion tout à l'heure pendant que vous y êtes. Bon alors, on a encore demandé son augmentation? Ne fais pas d'illusions, ils te donneront rien. Qu'est-ce que tu crois qu'ils en ont à foutre d'un mec comme toi? Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans la section documentation pour la commande de lampadaire? Pardon? Bon allez, on n'a plus rien à faire ici, Jean-Pat. De cette façon, on peut espérer assister à une inversion de la tendance sans causer de troubles de l'emploi sur le territoire. Oui, mais la maximisation de nos profits ne sera pas totale. Or, en temps de crise, c'est bien ce dont nous avons besoin. Non, non. Dans les prochaines années, nous procéderons à une délocalisation de 35% de notre production. En Roumanie et en Bulgarie, par exemple. Quelles qu'en soient les répercussions sur l'emploi au sein de cette entreprise. Bien, il faut réfléchir maintenant à comment mener cette affaire afin qu'elle ne fasse pas trop de bruit. Vous savez bien comment ce genre de nouvelles est mal appréciée par nos employés et leurs syndicats. Surtout avec la baisse des salaires. Il faut d'abord viser ce qui n'est pas primordial pour notre activité, comme le petit personnel, par exemple. Pensez à nos dividendes. Monsieur, je viens réclamer une augmentation. Monsieur Banabé m'avait dit de venir directement. Bon, écoutez, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Et pour mon augmentation? Pensez bien faire la porte en sortant. Bernard. Quelle journée. Ah Bernard, fais-t'en les tours par le golf. Pas mal. Allez. Putain de journée de merde. Heureusement que je peux venir ici, hein, pour me relaxer un peu. J'ai beau avoir 50% des parts et être PDG, ils sont toujours contre moi à l'AG. Toujours. Tu voulais pas voir Philippe cette semaine pour arranger 2-3 trucs? Si, si, bah, il va passer chez moi tout à l'heure. Et on va parler de 2-3 choses. Ah au fait, tout à l'heure un technicien qui est passé en plein pendant l'AG. Il m'a fait passer pour un con. Ah, vivement que j'ai mon permis de construire pour le terrain de tennis. Bon, on en est où pour la gestion de mes comptes offshore? T'en fais pas, j'ai tout prévu. Je t'ai désigné comme légataire principal. C'est-à-dire que je te lègue toutes mes parts dans l'entreprise et que tu deviendras l'actionnaire majoritaire. Mais à partir de quand? Dès que je quitte l'entreprise. Ou si je descends entre temps. Mais tu sais, on en avait déjà parlé. Tu l'as pas eu ton augmentation? Bah non, dis pas. Ah, tout ça est quand même bien compliqué. Hein. J'ai pas mal de soucis en ce moment. Il y a ma nouvelle centrale nucléaire qui s'est fait saboter par des écolos. Il y a encore mon ex-femme aussi qui me casse les couilles. Ah, tu pourrais bien attendre un ou deux ans quand même. Hein. Putain, après, il m'a jamais vu. Oh, tu peux là, oh.
Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de temps. Donne-moi tout ton argent là! Tout en rien! Putain mec, mais qu'est-ce que t'as fait? Vite, on se casse, on se casse, on se casse.